Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Un avis à livre. Donc moi c'est Hélène Pitelf, bienvenue à toutes les dernières personnes arrivées sur cette chaîne. Également un grand merci à vous tous qui m'avez laissé des commentaires sur mes vidéos du bilan 2017 et sur mes projets et l'avenir de ma chaîne. Aujourd'hui je vous parle de Boudica, un roman paru en 2017 chez ActuSF, écrit par Jean-Laurent Del Socorro. J'avais très envie de découvrir ce livre puisque Jean-Laurent Del Socorro m'a dit que c'était un fait historique et que Boudica a vraiment existé, que c'était une femme celte qui a vécu en an 1 après Jésus-Christ. En soi, c'est un roman assez court qui fait à peu près 270 pages. L'auteur va vraiment nous emmener à travers toute la vie de Boudica, son enfance, comment elle a accédé au trône et comment surtout elle est devenue une combattante, une guerrière et une insoumise, et de quelle façon elle a amené son armée et son peuple à se rebeller contre l'Empire romain. J'ai trouvé que c'était très instructif, j'en ai appris beaucoup sur ce point de l'histoire que j'ignorais complètement. D'ailleurs, pour vous avouer la vérité, quand j'ai lu la première phrase du premier chapitre, j'étais complètement larguée, je vous la mettrai en citation par ici. J'ai dû aller chercher sur Wikipédia ce que ça voulait dire, qu'est-ce que c'était que ces noms comme Antédios, Cunoblin. Je ne savais pas si c'était des noms de personnages, des noms de clans, des noms de royaumes. J'étais complètement perdue. Et du coup j'ai appris beaucoup à ce niveau-là, donc je remercie Jean-Laurent Del Socorro d'avoir suscité ma curiosité pour en apprendre plus sur ces peuples celtes. J'ai été touchée également dans ce livre parce que Boudica a une vie à la fois foisonnante mais également tragique, et il y a un passage de sa vie qui m'a vraiment bouleversée. C'est très dur à lire, c'est très touchant, et j'ai trouvé que l'auteur trouvait les mots justes pour retranscrire ses émotions. C'était une femme complète. Elle était à la fois éduquée, ce sont les druides qui l'éduquaient, c'était une femme libre. Donc ici on le voit notamment par une liberté que s'est accordée l'auteur au niveau de la sexualité de la reine. Non seulement c'était une femme d'un roi, donc le successeur du roi du clan des Icènes, mais c'était aussi une femme qui... voilà, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. En tout cas l'auteur a voulu montrer certaines possibilités à cette époque qui pouvaient refléter notre société actuelle. D'ailleurs c'est un élément de réponse que j'ai pu trouver dans une interview, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos parce que j'ai trouvé ça super intéressant. Et voilà, j'ai vraiment aimé comment elle était démontrée. On voit que les actions qu'elle a menées ont porté très loin dans l'histoire, puisque aujourd'hui à Londres il y a une statue qui a été érigée en sa mémoire, et d'ailleurs une partie de Londres avait été rasée au moment de sa rébellion. Donc ça c'est vraiment pour le côté historique, mais je vous laisse découvrir le roman si vous voulez savoir comment elle en est arrivée là et dans quelles conditions et dans quel contexte. On a forcément les Romains comme je vous le disais un petit peu plus tôt, et on découvre plusieurs empereurs, leur façon dont ils se comportent, comment ils essayent de négocier avec l'Angleterre, que ce soit à travers les liens commerciaux ou le pouvoir tout simplement. Donc c'était vraiment assez complet comme récit, je me suis pas ennuyée du tout. J'ai trouvé ça très captivant. Au niveau de l'écriture, je trouve que c'est à la fois accessible et en même temps recherché, puisque Jean-Laurent Del Socorro utilise des termes de l'époque, que ce soit au niveau des clans, au niveau des personnages évidemment, puisque ce sont des personnages réels, sauf pour les druides. Que ce soit au niveau des tenues, au niveau des armes et un petit peu au niveau des liens entre les différents personnages. Voilà, tout ça, j'ai trouvé que ça permettait de m'immerger complètement, donc j'ai passé un très bon moment. Pour info, ce roman fait partie de la présélection du prix littéraire de l'imaginaire Booktubers App, donc le PLIB. Du coup, c'est aussi dans ce contexte-là que je l'ai lu, même si à la base je le lisais hors contexte. Mais je le mentionne dans cette vidéo si jamais il fait partie des 7 finalistes. Je vous le recommande, parce que c'est très instructif et que c'est bien écrit et que du coup c'est un texte de qualité. Je vous souhaite à tous de très belles lectures et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !